Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, une deuxième astuce Kama. La première c'était avec les bottes Tarsi, et aujourd'hui on va rester dans la même idée de d'item, toujours en cordonnier. On va s'intéresser aux Adelus. C'est un item pour augmenter sa sagesse encore, et encore une fois, je cible un peu la sagesse parce que beaucoup de gens qui recherchent ça. Donc là vous pouvez voir que l'item est à 15 000. Et c'est que des jets qui ne sont pas au maximum, il n'y a pas de 25 en sagesse, vous voyez. Donc là j'ai même de la chance, parce que c'est-à-dire que tout a été vendu, y compris les miennes, bon, il y a longtemps. Ouais, vous voyez, c'est... Après il y a ceux qui montent à 30-40, donc ça se vend vraiment cher. Moi je vais pas aller jusqu'à là, je vais m'arrêter en fait au 25 de sagesse. Et en gros, là je peux... J'ai de la chance parce qu'il n'y en a pas qui ont 25 de sagesse dans les premières là. Donc en gros mes prix, je vais les mettre pour commencer, je vais les mettre à 25 000. Je vais pas les mettre plus pour pas trop abuser, pour que ça se vende assez rapidement quand même. Donc regardez la recette. Si on passe dessus, ça fait du 400, 600, 3000. En gros 4000, ouais 4000, même 5000 si vous voulez. Pour un seul, et je le revendrai 25 000. Donc je vous laisse voir, imaginer la part de marge. Je vais en crafter 10. Moi j'aime bien faire les trucs par 10. Ça va bien, c'est pas trop cher comme investissement. Il faut pas non plus en mettre 30 dans l'HDV, ça sert à rien, ça encombre tout. Enfin, déjà là, ça encombre pas mal au final. Mince, j'ai oublié de prendre la recette. Attendez. Ok, merde. Non, pas ça. On a la recette. Donc, cœur de Wasang. Normalement, il y a toujours les ressources en HDV, c'est des ressources pas trop rares. Donc là, il m'en faudrait 60 pour en faire 10, je vais en prendre 100. Ça m'en fera 40 pour la prochaine fois. C'est moins cher, bocage. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher dans la recette. Je vais en prendre 10. Je pourrais en prendre 200. Enfin, je pourrais en prendre 100 à 200 000. Au final, j'y gagnerai. Là, je vais juste en prendre 10 pour cette fois. Donc on va faire le calcul de combien ça m'a coûté. Voilà, bon, donc ça m'a coûté 32 000. Donc on va aller les craft. Toujours pareil, hein, si vous avez pas, si vous n'êtes pas assez haut level dans le métier, vous pouvez demander à ce qu'on vous les craft. Il y a assez de gens, et au pire vous donnez un peu de kama et vous le feront. Et vous y perdrez pas beaucoup. Hop, regardez au final, ça c'est 48. Ça se monte rapidement les métiers. Je vais peut-être une vidéo pour vous montrer. Hop, on a notre 10 ceintures. On va aller mettre les runes. Alors, mes runes sagesse. Et on va monter à 25 de sagesse. Voilà, vous voyez, ça y monte rapidement. Pardon, déjà 25 celle-là, pardon. On se retrouve à la fin. Ok, bon, donc là j'ai fini de tout craft. Vous voyez, à la base j'avais 800 et quelques runes, j'en ai même pas utilisé 100 pour réussir à FM tout ça. Donc là j'ai mes 25 partout, on vérifie, c'est bon. On va voir en HDV. Ah oui, l'HDV, dans la vidéo d'avant là, dans la première astuce, j'avais flouté les équipements. Bon bah il y en a qui ça avait pas plu, tant pis, hein. Moi je floute parce que j'ai quand même envie de garder quelques items secrets, mais même si je les garde secrets, de toute façon c'est pas des sommes astronomiques, je vous rassure. J'ai beaucoup de choses en HDV justement pour tester, voir ce qui marche, voir ce qui se vend vite, voir ce qui se vend tout court. Et c'est surtout pour ça en fait que j'ai flouté, c'est que j'ai pas envie que ce que j'essaye de faire, bah, tout le monde le essaye en même temps et du coup ça marche pas. Donc si ça marche, vous inquiétez pas, de toute façon je ferai des vidéos pour vous montrer quels items fonctionnent bien. Mais là c'est pas parce qu'il y a marqué 2,4 millions que demain j'aurai 2,4 millions en plus dans ma banque, hein. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment j'essaye des choses et si ça marche tant mieux, si ça marche pas ben, c'est pour ma pomme, hein, je vous rassure. Bon bref, on va les mettre, j'avais dit à 25 000, on va pas être trop gourmand, voilà, 25 de sagesse donc 25 000. Et voilà,
Donc, au final, 25 x 10, 250. On avait dit que c'était 30 et quelques mille, on va dire 40 000 de craft, si vous voulez compter les runes avec. Là, j'ai 250 000, donc ça fait quand même 200 000, 210 000 de marge. Comme pour les bots. Et c'est des trucs qui se vendent rapidement. Donc en gros, avec ces deux astuces-là, vous y passez 10 minutes en tout, pour les deux. Un quart d'heure, si vous voulez. Et vous avez déjà 400 000 de marge pour une semaine. C'est pas mal. Ça vous paye presque l'abonnement d'une semaine avec les ogrides. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien, même ça peut arriver d'en vendre plus de 10 dans la semaine justement, vu que c'est des items très recherchés et que quand ils sont FM au maximum, ça intéresse plus les gens. Donc voilà, c'était une deuxième astuce. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine tout le monde. Bisous bisous.